Hello, c'est Dark Kizai, et on se retrouve pour la suite de Secret of Evermore. Bon, alors, dans cette vidéo, je vais essayer de faire. D'aller le plus loin possible en fait. J'espère que ça ne frisera pas en cours de route. Donc, pour cette dernière étape, on va aller finalement au volcan, qu'on nous en parle depuis déjà un bon moment. Alors on va se diriger au volcan. En résumé de ce qui s'est passé avant, donc j'ai affronté Maralg et j'ai obtenu un poivron. Maintenant je peux lancer Lévitation. Je vous rappelle que les poivrons ne sont transportables, enfin on peut en transporter que un à la fois. Donc ce qui fait que pour les poivrons, il faudra venir chez Aero en récupérer. Mais je vais vous montrer en fait que c'est pas vraiment ça. On en trouvera dans le volcan. Mais je vous en dis pas plus, sinon ça va spoiler. Bon, alors direction le volcan. Il faut que j'arrive à avoir trouvé mon chemin. Non, bah c'est pas par là. Bon, bah. Pour meubler un peu pour l'instant la vidéo, pour dire un peu de n'importe quoi. Alors Nixon, j'ai vu tes commentaires sur ma chaîne. Franchement, bon déjà tu m'as dépassé dans le jeu. Je suis content que ça te plaise et je trouve que tu as un bon niveau. Donc je pense que pour la suite du jeu, tu devrais pas avoir trop de problèmes. Si tu montes bien tes armes, et si t'es à un niveau, on va dire 10, par là, dans les 12-10, à mon avis, tu devrais t'en sortir plus ou moins bien. Je pense. Bon, tant pis pour le petit crapaud. Ah, voilà, parfait. Ah bah, c'était plus rapide que je pensais, en fait. Donc, suite de Secret of Evermore. Alors, j'ai une coupure et pendant la coupure j'en ai profité pour monter la piqueuse niveau 3 et l'attaque du chien niveau 3. J'en ai aussi profité pour aller chez Cœur Vaillant acheter des racines, ce qui m'a permis ce qui me permet plutôt d'avoir plus de sorts guérison. Je vais pas vous cacher que c'est la quatrième fois que je recommence. Je commence à en avoir légèrement ras-le-cul. Donc, à la place de faire des grosses vidéos, je vais en faire des toutes petites. Donc bon, en fait, j'ai filmé déjà 2-3 fois, mais à chaque fois, je sais pas pourquoi. En fait, ça n'avait pas enregistré. Ce qui fait qu'en fait, la caverne de lave, j'ai déjà fait tout le trajet. Alors bon, je vous montre où il faut aller. Donc en fait, à la base, ce rocher est verrouillé. Et fermé, je veux dire. Donc en fait, il faut faire le tour par là. Donc l'endroit, il n'y a que des aspics hein, par ici. Alors faut faire le tour par ici. Là il y a un poivron et vous pouvez déplacer ce rocher. Bon là, je suis désolé, hein, ça sera pas en direct, vu que j'ai sauvegardé croyant que ça avait filmé et finalement non. Ensuite. Alors pour ce rocher là, il faut d'abord. Là il y avait un rocher. Là. Donc on peut le pousser avec la lance. On va aller faire ça. Et il y en avait un deuxième qui était. Alors attendez. Il faut que j'arrive à me situer. Le deuxième rocher. Il était où? Il devait être par là. Non, pas ici. Le deuxième rocher.
Ah oui, alors après ça ouvre le chemin. Attendez, alors là je suis complètement perdu. Bon, punch au niveau 12. Bon, écoutez, en fait. Ouais, bah en fait voilà, les deux rochers étaient là en fait. Donc il y en avait un ici et un en haut. Ça permettait, et dans le coffre là, il y avait un poivron qui dépasse le rocher en bas. Donc voilà. Casse-toi. Ensuite, pour la suite, alors, il faut passer. Enfin, alors là, il faut faire le tour. Faut grimper là-haut et faire tomber le rocher pour ensuite passer par là. Alors en fait, quand j'ai filmé avant, en croyant que ça filmait, j'ai trouvé la salle, une salle secrète où il y a un alchimiste qui donne une formule. Alors je vais aller jusqu'à là-bas. Et je continuerai la vidéo à partir de là. Donc, suivez bien le chemin que j'ai pris, hein. Voilà, il est là. Parfait. Donc, on se retrouve tout de suite après. Je vais juste sauvegarder et on reprend la sauvegarde à partir de là. Donc voilà, comme promis, je reprends là où j'avais fait la sauvegarde. Je vous promets, c'est chiant, mais à mourir. Je suis dégoûté, mais à un tel point. Deux fois que je filme pendant plus d'une demi-heure et tout ce travail volatilisé, ouf, en quelques secondes. Alors bon, pour la suite, je vous rappelle qu'il y avait un rocher bloqué. Donc il faut bien regarder les chemins que j'emprunte. Parce qu'on va aller de l'autre côté de la caverne de lave en fait. Ce qui est un combat contre Méga Aspic. Bon, moi j'ai déjà le truc, donc c'est bon. Mais je fais ça, bah, je vous remontre en fait pour vous. Donc ici, il y a des Aspics. Et là. Oh, je l'explique là encore. Bon bah ouais. Donc il y a Mega Aspic. Faut le tuer. Et il va vous lâcher. C'est pas vrai. Oh, génial. Bon bah. Voilà. Faut tuer les Mega Aspic. Et il vous lâchera un poivron pour la suite. Maintenant, il n'y a plus qu'à refaire le chemin en sens inverse. Ouais, donc je vais vraiment faire des courtes vidéos. Vous verrez de nombreuses coupures, mais ça, j'y peux rien. C'est quand je change de salle, le jeu freeze. Donc bon, j'espère que ça vous gênera pas trop. Bon, de toute façon, vous avez l'habitude maintenant. Donc. Bon, normalement, avec la lance niveau 3 et l'attaque du chien niveau 3, je pense que je vais pas me faire défoncer par le boss. Oui, parce que lors du deuxième film, je me suis fait rétamer, mais comme une merde. Il m'a déglingué le boss. Alors déjà, le chien j'avais plus de croquettes, il s'est fait défoncer. Et moi, j'ai succombé quelques secondes après. Donc. Là, après avoir allé chercher le poivron, c'est pareil, hein, le piment, le poivron. Donc, lévitation. Et voilà. La suite.
On voit qu'on a un petit raptor et des canalisations. Et... Oh, on peut aller dans des canalisations. Alors bon. Je sais, ça va paraître brut. Mais je vais arrêter la vidéo là. Et j'enchaîne tout de suite avec une autre pour vous montrer le chemin des canalisations. Donc, à tout de suite.